Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque jour ou presque pour un nouvel épisode de notre aventure sur Arc Fjordur alors qu'il se met à pleuvoir. C'est absolument merveilleux, ça faisait longtemps tiens qu'on n'avait pas commencé une intro et qu'il se mettait à pleuvoir. Je suis en compagnie de Vixie, ici Mutsu bien sûr. Vixie est en train de faire son sport et moi je fais mes petites pompes. Et regardez, j'ai tellement des abdos en béton que mon personnage arrive à faire des pompes sans toucher le sol avec les pieds. C'est juste absolument incroyable. Ensuite on finit sur une petite danse du plaisir. Parce que c'est toujours trop bien de vous retrouver. Et le petit saut périlleux, ça peut absolument rien dire. Vixie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, au programme, nous allons pouvoir faire un petit timing du plaisir. Moi, j'aime beaucoup ce timing-là et j'aime beaucoup cette créature. Vous allez le découvrir tout de suite. On va déjà essayer de voir si on peut en trouver, mais mon petit doigt me dit qu'on peut en trouver. Mais avant ça, il faut qu'on aille retourner faire un petit coucou à Bayla. On va faire un petit outil de taxidermie, on va récupérer quelques petits loots aussi au passage et des éléments. C'est parti, c'est au programme de l'épisode d'aujourd'hui. Vixie, tu sais ce que je me disais? Non. Le boss, il s'appelle Bayla. Mais dis Bayla à l'envers. La Baye. Coïncidence? Je pense pas. Je ne crois pas. Ah, oh, j'ai pas... Oh là là, j'ai pas gueulé. Elle a pas sifflé. Allez, allez, voilà, bien joué. Je le taxidermise? Ouais. C'est bon, j'ai eu son derme. Tu dois pouvoir le faire toi aussi, je pense. Alors attends. Par contre, on n'a pas eu le loot. Ah, c'est parti dans l'inventaire du dino, ok. Ah bah qu'est-ce non. qu'on a eu? Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, bon bah c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le plastron anti-émeute en épique, est-ce que tu le veux? Regarde, c'est sur mon Shulman si jamais ça t'intéresse. Bon, la ruine, ok. Encore une plateforme pour méga échelon. Ouais, ça, je veux bien, ça. Celle de Stego avec 91 d'armure. Tu chopes ça en PVP, tu te mets bien. Mais bon, nous, on n'a pas trop besoin, quoi. Hop, hop, et hop. Et les 30 éléments, parfait. Bon, Vixie, je te propose maintenant qu'on passe à ce qui nous intéresse réellement dans l'épisode d'aujourd'hui. Le timing du plaisir. Oh. Et Vixie, je crois qu'il y a un Purlovia, là. Ah ouais. Oh, il y a un Purlovia. Ah, oh, il m'a vu. Je descends, je l'affronte tête. Vas-y, vas-y. Aïe. Aïe. Et tiens, voilà, c'est qui ton patron, saleté de bestiole. Je vous le dis, c'est la créature que j'aime le moins sur ce jeu, je pense. Ah, allez, presque à égalité, mais le Purlovia est devant, mais avec le Trodon, du coup. Je déteste ça. Vixie? Oui. Je crois que j'ai trouvé. Bah moi, je sais pas où t'es. Alors, je vais vous donner les coordonnées et l'emplacement sur la map, tac. Je suis en 20.8.08.5. Et le lieu sur la map, c'est ici. Comme ça, au moins, vous avez toutes les infos. Allez, c'est parti. Tu te mets comme ça, toi. C'est vrai qu'il fait froid, dis donc. Oh la vache. Oh, c'est hyper... c'est la blancheur immaculée. Et t'as vu, c'est bizarre parce qu'il y a de la neige. Ouais, à l'intérieur. Mais sans ciel. Oh mon dieu. Quoi, oh, quoi, quoi, quoi. Oh, tiens, cours. Oh, tiens, cours. Oh, putain. Au secours. Monde de Dieu, Salut les nounours. C'est des polarbires, ça, ou je sais pas trop quoi. Ah, je sais pas, attends, j'arrive, je sors mon chou. Ours polaire. Oh, la vache. Ouais, sors ton chou, t'as raison. Comment ça, il y en a d'autres? Oh, des petits ferox, oh oui. Oh, salut. Alors, comme on a des éléments sur nous, ils sont attirés. Oh, il y en a un rouge. Il est trop beau. Attends, parce que ça hurle à la mort et tout. Qu'est-ce qui se passe, là? Aïe, aïe, aïe. Il y a du loup. J'ai pris l'agro. Tu l'as nourri? T'as fait un truc? Ah non, j'ai rien fait du tout. Ah, fais attention, il faut ressortir, parce qu'ils se sont transformés, là. Ils se sont énervés. Et ça te dismount. Et comme il y a des loups et tout le bordel... Il y en a plein, hein. Ah, je vais me faire dismount. Non, mais sors. Non, tu veux dire rentre plutôt, non? Bah non, t'as dit il faut sortir, alors je sors. Ouais, non, je m'éloigne pas de toi, moi j'ai trop peur dans toi. Mais c'est bizarre parce que cette grotte me dit quelque chose. On en avait fait une de grotte comme ça sur... c'est le même type que sur Genesis. Ouais. Elles sont vraiment identiques, je trouve. Ouais, t'as vu là, il y a un loup et un... Ouais, il faut qu'on arrive à les tuer, donc ça tombe bien qu'ils soient là. Si on pouvait, en fait, ce qu'il va falloir qu'on réussisse à faire, si possible, c'est de nettoyer, en fait, et de réussir à faire en sorte qu'il n'y ait plus que les férox qu'on veuille tamer. Ouais. Toi, t'es comment?
Ils sont tous là, il y a une armée. 150 mal, moi j'ai mal 150. Ouais, moi j'ai pas eu le temps de voir, ils sont forts. C'est quoi cette espèce, pas eu le temps de voir? Non, au final il se transforme pas, mais je l'ai vu, il est là-bas, il est à l'entrée. Il me suit, il est trop beau. Il est quel niveau? Bah 150. Bah vas-y, amorce le time, hein. Tu prends un élément, tu sais, dans ta barre, et tu le manges, toi. J'en mets qu'un seul? Non, on s'en fiche. Femelle 145. Non, tu les mets tous. Tu l'utilises. Ouais, ouais, c'est fait. Fais attention. Il a mangé. Ah ouais, pareil. Non. Pareil. Et là, après, il faut s'éloigner. Et on attend. Je vais essayer un truc. Il est où le petit... Ah oui, mais si je la grappe avec ça, ça va lui pomper le sang. Ah ouais, c'est pas une bonne idée. Et du coup, est-ce que j'ai perdu en effectiveness? Je pense pas. Non, ouais, non, non, ok, c'est bon. Allez, parfait. Moi, je suis avec la femelle 145 rouge et bleu. Je l'ai un petit peu éloignée. Ok. Par contre, elle est un peu jaunâtre en dessous. C'est pas terrible, terrible, quoi. Ouais, pas lui aussi, hein. Ça fait un peu genre Captain America, mais du ghetto. Tu vois ce que je veux dire? C'est vert, j'ai l'impression. C'est Captain dégueulasse en fait. Ouais, c'est clair. Pas évident cette petite bête à faire. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est qu'il faut quand même une sacrée quantité d'éléments, hein, je trouve, pour le faire. On était à 45 au départ, je suis à 79%, il m'en reste 19. Il se transforme pas à chaque fois. Alors, je suis à combien là? 95%, c'est potentiellement le dernier élément que je lui donne. Tiens, mon petit. Donc, ce sera pas celui-là. Tiens, mon petit. Tiens. Est-ce que ce sera celui-là? Oui. Ah, ok, il se relève encore. Aïe, dis donc. Allez. C'est elle grimpe, hein? Non, non, où tu vas, où tu vas? Non, 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 non. Ah non, ça peut pas partir en sucette maintenant, c'est juste pas possible. Hein. Pas si près du but. Non, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu es différent des autres, Ferox? Je vois rien en plus avec la lumière, là. Non, mais pas les dodos! Oh, je suis pile poil dans la zone de chargement. Oui, c'est bon, Vixi! Je l'ai eu. Ah, bien joué, bien joué. Parfait. Yeah! Oh, je le mets sur mon épaule. J'arrive, je vais te rejoindre. Il m'en reste 9. Comme ça, si jamais toi, t'en as pas assez... On peut encore assurer le coup. Ah, il est motivé le tien aussi, hein. Attention, attention. Oh, je vois rien. Avec la lumière, c'est ah, ça y est. C'est bon. Bien joué, Vixi. Oui. Bien joué. 225, pardon. Ah, il en faut 4. Il t'en reste combien? Moi, il a éternué, petit loulou. Il m'en reste 16. Bah, vas-y, hein. 2. Comment je fais? Pourquoi ça passe à 5? 3. Ah, parce que l'addiction monte, et donc au plus l'addiction monte, au plus le nombre d'éléments requis augmente, je crois. Ah, mais ça le fait pour les deux? Ah bon? Ok, 5. Et là, normalement, il est supposé se transformer. Yes. Oh, la belle bête. Allez, on a transformé les petits loulous, on va faire mumuse un peu avec. Ah oui, la durée de transformation, elle est bien descendue déjà. Je me souviens plus, il y a moyen d'escalader les falaises, je crois, avec ça. Je sais plus du tout comment. Tu te souviens, toi? Bah moi, je fais espace, hein. Let's go, Vexé. Ok. Oh non, j'ai glissé. Allez, monte. Ah, il veut pas monter. Ah, ok, c'est bon. En avant. C'est vrai qu'on a plus beaucoup de durée de transformation, ça va nous coûter cher en élément cette bestiole, hein. C'est clair, hein. Hey yolo, y a pas une petite bête à taper là? Ah si, regarde. Bam. Oh, le pauvre. Je l'ai fait décoller. Attends, caillou. Non, si, caillou. Là y a le vide, hein. Mon ferox est rouillé, hein. Bim.
Là, il y a le vide. Où ça? On saute par-dessus, comme ça. Tac. Accroche-toi. Non. Ouf. Au secours. Vexé. Oh, il y a un mammouth. J'y vais. Oh là, il y a une base là. Elle est gigantesque. Bim, bam. Shping, shbang. Allez, c'est parti. Il est chaud là. Il est chaud. Il est chaud. Caillou. Bam. Bam, 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 bam. Je me souviens plus si ça prend des dégâts de chute. Oh, regarde, une rune. Petite rune. Hop là. Ça fait plaisir. Pixie. Oui. On y arrive là, c'est ça? Attends, je sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Il a arraché un... Qu'est-ce qu'il fait? Attends, on va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Vas-y, tu passes sous l'eau. Ouais. Et après, ça mène quelque part. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, mais non, non. C'est quoi cet endroit? Et bah écoute, il n'y a rien du tout. Elle est incroyable cette grotte, tiens. Mais ça en PVP, c'est génial, je pense, comme grotte. Puisque l'accès est coupé et tout. Ah, ça y est, c'était transformé? Tu l'as laissé sous l'eau, il est en train de se noyer, le pauvre. Oh. Il est tombé le front le premier, quoi. Tiloulou. Donc attends, ah voilà, elle est en addiction. À 100%. La femelle, permettre l'accouplement. Et oh toi voilà. Ah voilà, c'est parfait. Donc en fait... Oh, moi tu souhaites. Quand ils font ça, je crois qu'ils récupèrent de la poussière d'éléments, il me semble. Hop. Je crois. Oh, ça y est. Attention, et paf. On est à 100%. C'est une gestation, évidemment. Ouais, tout à fait. Et il y en a pour 12 minutes. Ok, faut que je m'en souvienne. Tu reprends le tien? Allez. Ouais. C'est... Oh, il est tout mignon. On va continuer un petit peu l'exploration. Un Diplo, let's go. Il est joli ce Diplo, tiens. Pourquoi il court, lui? Ah, les Diplo, c'est vraiment une des créatures les plus inutiles du jeu, je trouve. Je suis désolé pour tous les amateurs de Diplo, mais ça te pousse, ça te tape même pas. Après, c'est rigolo pour faire un bus magique. Pourquoi il... C'est un Goroto encore? Ah non. Je crois que je sais où on est. Ça passe ah, entre les épaules. J'ai vu. C'est quoi qu'il y a au bout? Attendez. Ah, salut. Oui, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Dis donc. Ok, allez, j'y vais. C'est parti. Oh, déjà une rune. Ok, je me souviens de cet endroit. Une rune, on sait qu'il y a lui, là. Il va m'attaquer, je pense. Est-ce que je peux... Waouh, waouh. Bim, ouf. Ouf. Ouf, 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 ouf. Ça va qu'il était que 150. Ok, je vous proposerais bien de la faire à pied, mais j'avais pas forcément prévu de faire ça. Et c'est chaud. Ah, on pourrait passer par là. Ok, on va essayer d'étudier un petit peu la zone. On peut passer par là, il y a ça à récupérer. Pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit d'intéressant par là. Et là, il y a une petite rune à récupérer aussi. Donc, on va aller récupérer la rune. Par contre, il faut que je fasse gaffe. On a vu, ouais, il y a un ours là. Et ils sont clairement agressifs. J'ai pas envie de mourir parce qu'en plus, si je meurs... Ah, mais attendez! Attendez, parce que là, je fais le fifou. Mais j'ai une femelle férox sur le dos qui est en gestation et qui va bientôt accoucher. Et il faudrait peut-être pas qu'elle accouche là maintenant. Ok, toi tu es décédé. Pour info, il était possible d'apprivoiser les loups qui sont présents dans cette grotte, même si leur niveau dépassait le 150. Mais, a priori, ça a été patch depuis. Donc, du coup, pour ceux qui ont réussi à le faire au début de Fjordur, tant mieux pour vous. Vous avez pu tamer des bêtes de guerre. Et maintenant, c'est patch. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que clairement, ça faisait des bestioles qui étaient vraiment beaucoup trop puissantes. Tu couplais ça dans une repro. Ensuite, tu obtenais des créatures absolument monstrueuses. Donc, je sais pas comment ils ont géré ça sur serveur Offi notamment. Est-ce qu'ils ont supprimé ces loups-là ou pas, qui ont pu être tamés ou pas? Je n'en sais rien.
Mais en tout cas, ce n'est plus possible. J'ai essayé, je vous le montre pas parce que ça n'a pas d'utilité, mais j'ai essayé et ça ne marche pas. Voilà, on peut les endormir, mais une fois que vous mettez de la nourriture dans leur inventaire, il ne se passe plus rien. Voilà, allez, on continue. Je viens de réaliser un truc, c'est que le ferox nous donne un bon buff de résistance. On est bien isolé avec. Est-ce que c'est mieux ou pas qu'une loutre, par exemple, pour le froid? Je sais pas, mais en tout cas, quand je l'ai sur moi, je suis plus du tout en hypothermie. Oh, elle est trop mignonne! Oh là 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 là! C'est trop loulou, le petit chouchou, là! Hop, allez, hop, dans la boîte. Tac. Oh, c'est trop mignon. Avec la petite tête-tête sur le truc, là. J'adore. Je crois qu'en plus... Ah non, on n'a pas chopé les bonnes stats. Enfin, les meilleures stats qu'on aurait pu avoir. Mais trop bien. Trop bien. Et c'est un mâle, d'accord. Ça aurait été bien que ce soit une femelle, mais bon, c'est pas grave. Regardez ça, la lumière jaune, j'avais pas fait gaffe. Mais ça, à tous les coups, c'est un loot. On va faire comme ça, tac. Hop. Allez. Oui. Celle de Sarko et un pantalon en cuir. Absolument nullissime. Génial. J'espère qu'on n'a pas que ça à se mettre sous la dent ici. Ok, je récupère la rune. Je sais pas si on n'a pas une autre quelque part par là-bas. En tout cas, là, c'est bien rouge. Si c'est pas une rune, c'est que c'est quelque chose qui y ressemble, je pense. Alors, il va falloir que j'aille dans la flotte. Là-dedans? No way, non? Il y a pas moyen. En fait, il y a juste pas moyen. Il va falloir tuer tout ça. Oh, il y a des Purlovia. Vas-y, laisse tomber. Me tire. Bon, du coup, je passerai clairement pas sans l'aide de mon fidèle destrier. De mon fidèle Shulumen. Donc, c'est parti. Pourquoi? On n'est pas sur le même plan astral, il n'arrive pas à les avoir du coup. Attention. Ya yeah. Allez, let's go. Non. Oh, je suis mort. Je suis mille fois mort, je pense. Aïe, j'ai pas mes popos d'équipé. Aïe, aïe, aïe. Oh non, le... Non. Ah là là, saleté de bestiole. Il y a tout qui est mort. Le Shadowman. Il y a tout qui est décédé, quoi. Oh, je suis dégoûté, la femelle férox et tout. Aïe, 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 quel enfer. je suis dégoûté. Oh non. Pourquoi? Pourquoi? Oh la vache. Encore une fois, les Purlovia, c'est vraiment la pire bestiole qui soit. C'est vraiment... c'est... Ouah, horrible. Allez hop, je répare mon stuff et je vais y retourner, je vais pas me laisser faire. Alors là, ça va être la méga giga... ultra vengeance. Par contre, j'ai fait un truc, c'est que on va faire ceci. Tac, pierre tombale. Hop. On n'a pas mis le mode cette fois-ci des pierres tombales pour commémorer un petit peu la mort de nos dinos. Mais bon, là, c'était Shulumen. Donc, je vais le mettre ici à l'entrée pour que jamais on oublie. Et la femelle férox aussi, bien sûr. C'est dommage, je l'avais sur l'épaule. Oh là là, dégoûté. C'est pas grave, on ira en retamer d'autres, mais bon. Shulumen. Oh, mais Shulumen, je suis deg. Mon petit Shulumen. Mon. Oh, je vais faire une petite pierre pour le Ferox quand même. Hop, voilà. Ferox F. Petite Ferox femelle, tu es partie trop vite. Tu as eu le temps quand même d'enfanter, mais nous n'avons pas eu le temps de vraiment faire connaissance. Et je suis terriblement triste. Aïe aïe aïe. Ah, oh, c'est dur. Allez, j'y retourne. Je vais me venger. Bon, comment se prémunir des Purlovia maintenant? Attendez, mais ces taches noires à la parterre, c'est des Purlovia, ça? Bah oui, évidemment. Il y en a trois. Vous imaginez si je bim aussi, il meurt? J'ai une idée. Je vais envoyer William. Vas-y, William. Vas-y, William. Attends, je vais rugir. Et le tigre est en toi. Non, non, attends, il va tomber. Au secours, en fait. Alors, on va voir ce qu'il y a là-bas, du coup. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bande de sales bêtes. Ah, je vous avais vu venir, moi. Vas-y, William, bats-toi. Il y en a encore un autre en dessous, regardez. Il y en a partout sur le chemin. Je vais tous les tuer. Moi, je pense que les développeurs, ils ont inventé les Purlovia pour nous punir. D'ailleurs, dans Purlovia, il y a pu. Et c'est le début de punition.
Je suis sûr que si tu lis Purlovia à l'envers, ça fait un mot satanique ou quelque chose comme ça. Ça me paraît évident. Je veux dire, c'est une... J'ai peur. C'est une créature qui est trop horrible pour ne pas cacher quelque chose, quoi. Ça me paraît impossible autrement. Ma vengeance va être terrible, hein. Ok, go. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça, tiens. Ok. Il y en a d'autres. Normalement, il doit y avoir encore celui qui nous a tués. Il passe, là? Ouais, il passe. Il est un peu full axe, par contre, le William. J'ai l'impression. Ok. C'est... nettoyer. Très bien, donc là il y a le sac de notre petite femelle férox. Même pas. Ah, ça doit être le sac de Shulumen. Ouais, la femelle a pas dû faire de sac de toute façon. Donc très bien. On a un loot ici, si je dis pas de bêtises. Je m'en souviens de cette grotto. De toute façon, ça se voit avec la lumière, on peut pas le louper. Si je suis développeur un peu sadique là. Derrière, je mets un Purlovia. Caché dans la salle ici, là, avec le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, celle légendaire de Gigano, voilà! Et un petit BP de bouclier en métal. Celle légendaire de Gigano, c'est pas mal. On dit pas non. J'espère qu'il n'y a pas de Purlovia ici. Les beaux droits, le loup. Il y a des sacrés saumons, là. Hein. Oh la vache! Alors, elle vient d'où cette lumière? J'y vais? Ça va, il est pas très loin. Elles vont m'attaquer, les Baudrois, je crois. Je loot, je me casse. Non, c'est bon, elles m'attaquent pas. Très bien. Aide-moi. Hop, le loot suivant. Et c'est nul. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici du coup? Je le sens pas trop. Il y a pas de créature, c'est pas normal. Purlovia? Tu es pur? Si je t'aime Purlovia, je l'appellerais Pupur, quoi. Ok. Qu'est-ce que... celle de gas bag. Oh, il faudrait qu'on aille faire des gas bags. Celle de gacha. Oh, il faudrait qu'on aille faire des gacha aussi. Petit gacha perle noire, là. Ok. Je le sens pas. Au secours. Oh non. Tcha. Ça, c'est le genre d'endroit. Oh pétard, vous avez vu là-bas, il y a le comité d'accueil. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Celle légendaire de Desmodus. Oh, le BP, trop bien. Ah, bonjour. Celle légendaire de. Celle bleue de Stego. Et d'ours sinistre. Je vais crever de froid. Popo. Popo, en fait. I am dying of. J'ai froid, quoi. Ok, et donc maintenant, comment Oh la vache, ça va, vous êtes pas trop nombreux? Ouais. J'ai comme une idée qui me traverse l'esprit, mais bof. Combien il me reste de grappins? 24. Allez, venez! Ouais! Ouais, c'est bien, c'est bien. Venez, venez! Bon, oh, bon alors! Ok, c'est un petit peu. C'est un Purlovia, ça? Je sais pas. C'est un petit peu nettoyer la zone. Et il faut pas que mon truc il lâche. Hein. Si ça lâche, c'est rip. C'est Rip Hunter, quoi. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Niveau 280 quand même. C'est un sandwich à McDonald's, le truc, quoi. Ok. Ah, c'est Vixi qui doit faire de la repro, ça. J'arrive pas à savoir si la tache qu'on voit là, c'est un Purlovia ou pas.
savez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Il est où, William? William? J'ai envoyé William. Ou Maître Félix, peut-être. Non, attends, qui j'envoie? Qui je vais envoyer? Et si j'envoyais Pixirou? Vas-y. Vas-y, Pixirou! Hein? Va voir ce qu'elle a, là. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, hein. Va par là-bas, Pixirou, parce que c'est un petit peu dangereux, là. Bats-toi, bats-toi. Ah, je vais monter sur William, tiens, vas-y, je vais faire ça. Parce que Pixirou, c'est un mâle, je crois. Donc, il me faudrait les bonus de... Ok. Yeah, j'arrive! Oh la vache, il y a une colonie de Purlovia là-bas encore. Ok. Tiens, Pixirou, va voir là-bas. 1, 2. Pixirou? Ah, c'est l'heure de la save. Ok, voilà. Merci bien. Ok, nickel. C'est nickel. Par contre, c'est dommage parce que j'ai pas pris la loutre. Du coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'on tombe sur ça, en fait. Et non, j'ai clairement pas la loutre. Bah, c'est pas grave. Bah, c'est bien. Vous êtes bien battus. On aura perdu Shulumen. C'est dommage, mais en vrai, c'est pas grave parce que Shulumen, il fallait le changer. Puisqu'avec la repro, on commence à avoir des créatures quand même de meilleure qualité. Donc c'est un bien pour un mal. Mais bon, c'est toujours difficile de se faire tuer par des Purlovia. Et moi, comme je déteste officiellement cette grotte, je vais rentrer avec mon Desmodus. Voilà. Ok. Là, ça a pas respawn. Ça a déjà respawn dans cette grotte, quoi. C'est fou. Oh, le beacon rouge en bas. Enfin, le loot rouge. Oh, il y a le loot jaune. J'y vais. Là, pas du gain. Pour un lance-pierre. Ce jeu a beaucoup d'humour. Ah bah oui, non, mais pour un lance-pierre, je suis... J'ai pris tous les risques pour un lance-pierre. C'est un bon titre de vidéo, ça, non? Ah, un petit BP, ça, par contre, c'est bien. Et encore une selle de sac à gaz. Allez, cette fois-ci, on s'en va. Et j'allais dire, on revient jamais ici, mais bien sûr que si, en fait. Le pire, c'est qu'on va devoir revenir. Parce que on aura besoin de faire les autres... difficulté. Et donc du coup il va nous falloir 3 artefacts. Oh, quelle horreur. Hey. Ouais, salut Vixie. Salut. Ouais, tu sais que j'ai eu un petit accident là. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, c'est les risques du métier. Ouais, non, j'ai vu, ouais. Ouais. Je suis pas fier de toi. Hein. Ouais, bah moi non plus, tiens, je suis pas fier de moi. Attends, est-ce que ma bière elle a fini de passer? Pas du tout. Et celle-là? Bah celle-là, elle a carrément disparu. Je pense que quelqu'un nous vole la bière. Hein. Ah ouais? Non, je sais pas, c'est bizarre. Elle disparaît. Je la craft et elle disparaît. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bref. Mesdames et messieurs... Moi, je connais le coupable. Hein, hein, tu crois? Ah, c'est l'ancêtre? Ah bah, carrément. Il tient une taverne juste là-bas, là. Oh bah, c'est ça, en fait. Il vient se servir dans nos fûts pour... Aïe, aïe, aïe. Ah, tu sais quoi? Un jour, je vais aller à cette taverne et je vais faire scandale. Ah bah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Bon. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, pourquoi il a remis ses lunettes, ce spec? Non, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le moment de faire ça. Il est content. Oh bah, il est mort. On a claqué les éléments pour rien. Wouhou! Let's go! Vive la vie! Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Au secours! On se laisse là, je vous souhaite une très bonne, voilà, hein, vous choisissez, mais à partir du moment où c'est très bon, merci à toutes et à tous, merci à tous les nouveaux membres de la chaîne, les noms s'affichent en ce moment même, merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir, on atteint bientôt les 100 000, hein, je vous en parle dans chaque épisode, c'est incroyable, c'est un truc de fou, en fait, c'est juste un truc de dingue, quoi. Et ben voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une, je vous l'ai déjà souhaité en fait, donc on s'en fout. Je suis complètement perdu. C'est la mort de Shulumen, ça m'a dévasté. Bref, je vais me recueillir un petit peu. J'ai un cadeau pour toi. Ouais, c'est quoi? J'ai un cadeau là, vas-y, viens. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'étais en train de dire au revoir aux gens là.
Oui, bah tu dis au revoir avec le cadeau. Ah ben d'accord. Oh, pour Mutsubizubixi. Oh, c'est une version améliorée du Shulumen. Ah bah tiens, vous savez quoi? Donnez-moi des noms, mais alors je veux vraiment des bons petits noms pour celui-là dans les commentaires. Et s'il y en a un qui me plaît, je le garderai, ok? Allez, voilà, je l'aime déjà celui-là, tiens. Bah merci Vixi, merci tout le monde, et à demain pour un nouvel épisode. Salut, des bisous.